French line, ça veut dire un peu couper le chemin. Donc, la réputation de French line à l'étranger, c'est pas... Les Français ont un petit peu l'image du mec qui veut gagner. Pas à tout prix, mais presque. Après, je trouve que c'est vrai qu'on est réputé pour trouver toujours un peu les lignes et chercher un peu les bonnes lignes, un peu hors du chemin et tout. Ça, c'est vrai que quand même, on est... Bon, on sait faire ça, quoi. C'est pas du tout, en aucun cas, une triche. C'est vraiment... ben voilà, on peut essayer de s'infiltrer, de passer là, de gratter quelques centimètres, quelques mètres, et on va le faire. Et des fois, c'est vrai que ça peut être un peu vu borderline, mais généralement, c'est pas une triche, c'est dans les rubalises, quoi. Il y a deux définitions. Il y a la définition un peu péjorative du terme. Déjà, t'as coupé, en gros. Et après, il y a la French line, c'est justement en tirant des bords pour être au plus précis possible et plus droit et sans faire d'efforts, en fait. On avait une culture sportive dans l'enduro avec 10 ans d'expérience avant qu'il y ait les Enduro World Series. Enfin, ouais, grosso modo, 10 ans, quoi. Quand il y a une succession d'épingles, 3-4 épingles, bah, nous, on avait l'habitude, sur les maxi avalanches, pour essayer de doubler les gars, bah, de prendre l'intérieur des épingles, donc de passer vraiment une marche et de enchaîner 1, 2, 3 marches. Et ça faisait presque une ligne droite, quoi. Tu voyais les Canadiens, des fois, au recours, t'avais une ligne, mais qui était genre une seconde plus rapide, mais sûr que tout le monde prenait. Et t'avais les Canadiens, ils roulaient dans le chemin. Mais ils se posaient même pas la question de savoir s'il y avait des lignes. Et donc, bon, bah, eux, ils ont été complètement déboussolés par ça, parce qu'ils disaient, ouais, vous respectez pas le chemin. Bah, en tant que, voilà, compétiteur, et malgré tout, même s'ils se la jouent à la cool, les autres pilotes internationaux, et ils sont un petit peu vexés quand ça leur arrive et qu'un Français va gagner parce qu'il a fait un petit truc différent, machin, bon, bref. Et du coup, la French line, ça, ouais, voilà, c'est ce qu'il va dire, ouais. C'est un peu de la triche, quoi. On optimise. C'est l'optimisation. C'est pas de l'optimisation fiscale. C'est, c'est de l'optimisation de trajectoire, quoi. Quand ils pensent, les Frenchies, quoi, les mecs, que ce soit en descente ou en enduro, on est quand même vachement plus, je trouve en tout cas, créatif que beaucoup d'autres nationalités en termes de lignes. Et c'est vrai que plus particulièrement sur la Côte d'Azur, on a une diversité d'athlètes qui est absolument incroyable. Avec des générations qui sont différentes, des styles de pilotage qui sont différents. Et bien la French line, j'appellerais ça l'art du geste. Très peu d'endroits dans le monde où il y a autant de diversité de sentiers. On a des montagnes, on a les Alpes qui sont à proximité, on a des collines qui sont sur le littoral et qui nous permettent de rouler toute l'année. En même temps, la plupart des sentiers sont quand même assez techniques. Voilà, c'est un ratio aussi, une question de statistiques. Vous allez prendre un bon spot en montagne, par exemple Whistler, Morzine. Il n'y a pas autour de ça autant de personnes qui vont avoir cet environnement propice.
Puis au niveau des champions aussi, dès le début du VTT, il y a eu des champions qui sont sortis d'ici. La génération Nicolas Vouillos, Fabien Barrel a vraiment amené une génération qui a voulu faire entre guillemets pareil. Et puis là, maintenant qu'il y a une émergence avec encore plus de pilotes, ça va pousser encore plus fort parce que oui, de côtoyer ces champions, ça donne un côté entre guillemets accessible. Et voilà, il y a une belle émulation. Le Godfather, le parrain de la French Line, pour moi, c'est François Dolla. La Dolle, même sur les courses de descente, qui étaient banderolées, il arrivait toujours à trouver une trajectoire entre deux arbres, les rhododendrons, et en fait, il coupait au plus court, quoi. Mais il était entre deux banderoles, donc on pouvait rien dire, et c'est lui qui sortait des lignes. Alors que nous, on était un peu comme des bourrins, on roulait là l'herbe où elle était coupée, mais on n'observait pas toutes les capacités qu'il y avait sur la piste. Et lui, il était toujours en train de pinailler. Donc, dès que j'ai vu qu'il y avait ce type de French line entre Français, moi aussi, j'ai commencé. J'ai dit, c'est super ce qu'il a trouvé. Du coup, après, ça m'a éduqué. En fait, rien qu'en l'observant, ça m'a éduqué et j'ai commencé à regarder toutes les possibilités qu'on pouvait avoir sur une piste. Double un mec en faisant une French line, c'est top. Tu t'éclates, quoi. Quand tu le fais et que ça marche, t'inquiète que le sourire, tu l'as dans le casque. On va dire que il y a ce petit côté malicieux, c'est hop, tu passes et c'est, je l'ai bien eu. ça fait un peu ça, quoi. Et c'est ça qui est bon parce que, en fait, tu n'es pas un adulte. Tu restes un gosse, et quand t'es un gosse, t'es super créatif, t'as l'imagination qui est débordante. Et ça, quand t'arrives à l'avoir sur ton vélo, c'est top, quoi. Disons que pour un mec vieux comme moi, c'est une véritable cure de jouvence quand t'arrives à le faire, quoi. Donc la French line, c'est le top pour avoir un sourire de gamin dans son casque. Clairement, il y a un secret, et le secret, il est dans nos sentiers. C'est-à-dire qu'on a des chemins qui sont ancestraux, qui sont des chemins avant tout piétons, puisque les gens accédaient aux campagnes par le biais de ces sentiers, etc. Et ils ne sont pas du tout faits pour le vélo. Et si tu veux faire du VTT chez nous, il faut forcément être bon parce qu'il y a un placement et une lecture du terrain qui est absolument nécessaire pour arriver à justement enchaîner tous ces passages. Et comme entre tous, on a appris à aller vite sur ce type de terrain-là, j'ai envie de te dire que quand on va rouler dans le monde entier, on arrive à trouver cette rondeur, cette fluidité et donc cette vitesse. I came from the mud.
hollering at the moon. L'accident à Sospel, il est comme tous les accidents, il est bête. Il est bête, surcroît d'engagement, arrivé trop vite, le premier coup qui me met KO parce que je tape la tête en premier, le corps qui se désambule autour de vélo et pas de chance, la jambe passe dans le cadre et c'est le cadre qui fait bras de levier qui m'explose le fémur. Voilà, aujourd'hui c'est un handicap que je me ressens aujourd'hui encore puisque j'ai une jambe qui est 3 cm plus courte que l'autre liée à cet accident. J'ai eu la chance d'avoir une prise en charge exceptionnelle avec une rééducation très difficile qui a duré plus d'1 an pour arriver à remarcher et à me remettre sur pied. Et puis au mois d'octobre, une fois que j'ai été capable de courir, j'ai pris mon vélo sur le dos et l'endroit où j'ai chuté, c'est dans une pente très raide, dans une compression dans le mur. J'ai remonté à l'envers, à pied, l'endroit où j'ai chuté, et je suis rentré dans ce passage, je pense, plus vite, en me disant je vais déprogrammer ce qui s'est passé et je vais repartir plus vite que ce que je me suis arrêté. Et ça m'a donné l'envie de faire de revenir sur le circuit au mois d'avril, donc d'après, et où je fais un retour avec une 4e place, donc c'est des podiums de 5, donc une belle satisfaction en Afrique du Sud, puisque à cette époque-là, j'avais encore tout le matériel dans la jambe, j'avais encore un clou en métal qui m'aura été enlevé à la fin de la saison d'après, donc j'aurais couru toute une saison avec le matériel dans la jambe, quoi. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'll be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, talk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, I gotta stay on the go. I came to play with the pros and act like a rookie, so they overlook me. Then I double up again under their nose, none of them cold. They just got lucky but never adapted, so I'm to the one if it's coming to blows. My enemies cutting it close, I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke, I'm ready for smoke. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Mentalement, je sais pas, c'est un peu compliqué. C'est t'y vas et voilà, tu sais pas comment ça va se passer. Il y a des figures, tu sais à peu près comment ça va se finir. Par exemple, en BMX, je me suis dit, putain, je suis quand même à l'aise en flip double whip. Flip whip to bar, ça passait bien. Je me suis dit, bon, j'essaye les deux, on verra bien. Du coup, il fait flip double whip to bar spin, ça rentrait directement. Et là, c'était plus du feeling au final. Tu te dis que ça peut passer, quoi. Tu sais que t'as une chance quand même avant d'y aller. Tu pars pas sans me dire. Je pars pas en disant ouais, je vais m'écraser à 100%, quoi. Et puis ouais, c'est pas suicidaire non plus, c'est, tu sais que tu peux y arriver et après tu sais pas au bout de combien de passages, quoi. C'est ça le suspense. We've been sugarcoating too much, we've got to start calling everything out for what it is. Start talking the real,
Yes, you're gonna have people turn their backs, but it's time for us to keep it real. Just keep talking that real, bro. Do what you do. I know what you do. So keep doing that. Talk the real. Talk the things, them. The GP will see you now. Look, I don't want to cause no problems. Mm-hmm. I just want to live my life, but I keep on hearing about nonsense. Nah. Me and my dons ain't mobsters, nah. But you know when you see imposters. Yeah. We know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you want to talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. Hey, I seen it all before I heard chat that they all adore. 1 week looking like they all aboard. Next day, they don't even walk the walk. I've been here since I bust down Aqua, cutting through Asda, all black master. Now I'm too grown for acting gaffer, trying to pay off my Madre's gaff cut. Took the wife from Lazarus. That speak, add the spice to calamari, that's me. My advice off the order I seen. Christ alone, he don't promise you. Don't say that, you know that man don't pay that. Trying to stunt in your rentals. I too wanna cry, get a Maybach. I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters. We know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. What nonsense? I don't wanna hear about guns, I know you ain't here like the Post was sponsored. You ain't never been down junction, you ain't never hit no truncheons, you ain't never hit no blocks in your mouth rub, you ain't never peeled no onions. You don't really look so G to me. Fly wife out for the scenery. Go Blue Jays for the eatery. Then I come back where I need to be. A black man who ain't moved so easily. One grievance. Is the money or God that you're preaching? You ain't talking that Paul or Cephas. You don't know peace if you don't know Jesus. I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters. We know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. Je peux pas être dégoûté d'aller faire du vélo parce que c'est dur, parce que physiquement il y a des contraintes, parce que des fois bah il faut faire des choix et c'est compliqué, tu vois. Mais sinon je pense que tous les jeunes rêveraient d'être pro et faire du vélo, genre. Après tu vois toujours le bon côté des choses, les vidéos, le style, le fun, les sourires, mais derrière ça il y a quand même un travail colossal, donc il faut pas l'oublier. Ce matin j'ai fait 4 heures de vélo de route, tu vois. Ouais, je me suis dit, ça me fait chier parce que c'est dur, je le sais, mais au final, mon frère, il fait la même chose et en pire, genre, il a peut-être pas envie de faire de la plomberie, lui, alors que moi, c'est juste, je vais rouler dehors, genre, il fait beau, il y a le vent, il y a les gens, genre, je m'entraîne, je fais du bien à mon corps, et genre, je peux pas être dégoûté de ça, quoi, tu vois. C'est pour ça que je garde mon sourire tout le temps, parce qu'il faut en profiter, et puis ça dure pas longtemps, putain. Donc, du coup, j'en profite à mort. Maintenant, il y a la référence mondiale qui va s'élancer, Nicolas Bouillot. Et quand Nicolas Bouillot est sur une piste, ça risque de faire très mal. Le maillot arc-en-ciel, vous l'avez compris, les champions du monde ont quitté depuis pas mal d'années maintenant. L'aspect matériel, ça va vraiment varier suivant les pilotes et les compétiteurs. Et c'est un peu cet état d'esprit de se dire j'essaye d'optimiser, et c'est sûr que quand je vois une vis acier sur mon vélo, j'ai envie qu'elle soit en titane, ou c'est 2 grammes par-ci, 2 grammes par-là, et au final c'est vraiment quand tu le prends dans un ensemble où tu vas gratter plusieurs dizaines voire centaines de grammes.
Moi, je suis très focus là-dessus. Et c'est aussi ce qui me permet, des fois, peut-être d'avoir un peu moins la pression sur d'autres trucs, parce que je suis vraiment axé sur mon matos. Et au final, les championnats du monde de 2001, on était tous hyper émus, hyper sur... Vraiment, c'était un contexte particulier. C'est la première fois qu'on se retrouvait un peu face à ça. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure au niveau d'être focus sur le matériel. Et pour m'enlever de la pression, je vais tout démonter de A à Z. Alors pas à l'intérieur des suspensions et tout, mais quand même, j'avais vraiment mis le vélo en pièces. Et le seul truc, c'est que j'avais pas prévu que ça allait me prendre autant de temps pour le remonter. J'ai fini un peu tard la veille de la course quand même. Mais j'étais focus là-dessus et j'avais fait un peu l'abstraction de tout le reste. Et je pense qu'au final, ça m'a servi. Je pense que ça va, petit à petit, ça va se perdre un peu. Parce que c'était un peu l'époque aussi où c'était beaucoup plus free. Tu avais l'époque des méga avalanches où tu n'avais aucun tape et tu prenais la ligne que tu veux. Et tu voyais des coupes de l'extrême vraiment couper des centaines de mètres. Et au début des World Series, franchement, moi, je me suis battu un peu pour qu'il y ait un peu du tape de partout. Du coup, je repérais les endroits et j'envoyais un message à l'Enduro World Series pour qu'ils mettent des tapes aux endroits vraiment... qui craignent. Je me suis battu aussi parce que pendant une époque, ils rajoutaient du tape entre les recos et la course. Du coup, moi je repérais les lignes, j'arrivais à la course tête dans le guidon et je prenais soit rubalise. Et pire, au Canada, entre la course et les recos, ils avaient mis des troncs. Je suis arrivé en urgence, je savais pas quoi faire. J'ai sauté et après je me suis pris le deuxième et je me suis mis en OTB. Ah, j'aime vraiment pas quand c'est free et que justement tu passes... Si toi tu veux optimiser, tu passes pour un tricheur. Et ah non, c'est horrible, c'est horrible. Des fois, le ratio, bon, au final, la petite prise de risque va vraiment pas beaucoup t'apporter, alors que tu peux énormément perdre. Comme la finalée ou la dernière spéciale juste avant la cellule, j'avais repéré une espèce de triple naturel. Il y avait une espèce de branche. Du coup, au reco, je l'avais pliée. Et à la course avec les spectateurs et tout, la branche s'est dépliée. Et du coup, j'avais fait ce triple. J'avais touché la branche, ça m'avait vraiment freiné. Et du coup, je m'étais mis court sur la triple et j'avais explosé la roue. Après, c'est pendant la course. Si t'es devant, tu gagnes à 20 secondes, tu peux peut-être essayer de pas faire les trucs les plus risqués. Après, le ratio, j'essaie de vraiment... Ouais, faut voir pendant la course. Mais si c'est la première spéciale, je vais essayer de tout faire pour... même la mini-ligne, je vais la faire pour essayer de gagner le plus possible. Donc si je pense que ça va gagner du temps et que c'est plus rapide, j'y vais direct. Français, ça veut tout et rien dire. Là, tu vois, on parle quand même de français, mais du 06. On parle pas de la France entière, tu vois. On parlait de l'Auvergne tout à l'heure, c'est pas pareil qu'ici. Et je pense que ce qui fait la force d'ici, qui a inspiré
d'autres endroits en France ou dans le monde, niveau trajectoire, c'est qu'en fait ici, tous les sentiers sont un peu péraves, clairement. C'est pas fait pour, c'est un peu sale, il y a des pierres au milieu, des épingles super serrées, et en fait ça nous a poussé les anciens avant nous. Tu vois, Nico, c'est un des premiers à avoir fait des épingles sur la roue avant, et maintenant en enduro, c'est un classique. Et nous qui avons grandi sur ces trails, tu vois, qui sont pas, c'est pas Whistler, c'est pas tous ces trucs-là, du coup on sait pas faire de whip, mais dès que c'est dégueulasse par terre, on a une vision et une lecture du terrain que personne d'autre n'a, et on arrive à faire des trucs, que ce soit sur le bord ou même en étant aérien, que les autres le voient pas forcément. Après, ils le voient si Loris le fait sur une course, si Daï le fait sur une course. Et donc, ils le feront, mais naturellement, ils vont pas le faire. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. Like they're bringing anything to the table. Bro, I'm not your son, see I'm able. I do my own bits. Limited edition, no submissive classic shit. I know that you're feeling it. Feel mad, cold nights feel heavy. Same place going in the heart of the city. Nitty gritty feels iffy and the eyes feel shifty. The shit we're in, yo, it's all mad risky. All night long, but feel keeps taking in. Beef with all the girls. Bullshit dripping off the chin. Partir un peu l'arrière. Mais partez pas. Pas toujours été bon pour les mondiaux. Les deux premières années élites, j'ai fait n'importe quoi, tu vois. C'était en Afrique du Sud, en Norvège, et j'étais pas très bon. Parce que c'était les mondiaux et je voulais rouler plus que d'hab, plus vite, machin. Et en fait, d'ailleurs, c'est Laurent Solette qui m'en avait parlé, mais il m'a dit en fait, pour bien rouler aux mondiaux, il faut moins rouler que d'hab. Parce que tout le monde se met le feu, tout le monde fait des erreurs. Et c'est celui qui va être le plus rond, qui va faire le moins d'erreurs, qui gagne souvent. Et l'année d'après, je me rappelle, là, j'avais fait une très bonne saison de Coupe du Monde et c'était la dernière course en Andorre. Et j'étais en mode, ouais, c'est bon, le taf il est fait, tu vois. Et je fais 11 au qualif, je me suis dit, waouh, donc je suis à l'arrêt. Et je me suis transcendé en une après-midi en mode, vas-y, c'est la dernière course, kiff, il faut vraiment profiter. Hein, hein. Et j'ai gagné. Et c'est 3 minutes de ta vie, tu vois, donc il faut être parfait de partout, il faut optimiser. Mais avant ça, c'est vachement de construction pour arriver à un moment précis, prêt. Et la pression, quand elle est vraiment grosse comme ça, je la prends et j'essaye de visualiser en fait ce que ça représente. Et quand j'ai en tête l'enjeu qu'il y a, je me dis, waouh, en fait, c'est maintenant. Et dans ta vie, il n'y aura pas beaucoup de moments où il faudra être aussi bon. C'est maintenant qu'il faut être genre excellent, tu vois, irréprochable. Et je me force à changer un peu mon approche et tout pour rien laisser passer et être bon, quoi. Mais c'est dur, hein. Et en Coupe du Monde, j'essaye des fois de le faire aussi et ça passe pas. Ça passe pas tout le temps. C'est chaud. And they don't fight fair. Who gon' pray for me and wipe on my tears? Who gon' save me if you not right here? Move this darkness and make my sight clear. Take me away, cause I don't like here. Ghost of my past, they filling the night air. Wake me up, I'm trapped in my nightmares. Feeling like my
drowning, drowning, I'm off the deep end. Apparitions of all my demons, all my thoughts are committing treason. All alone, who gon' hear me screaming? Manifestations of my fears, regrets that stretched out for light years. Can almost touch the light, homie, it's right there. Body free, but trapped in my nightmares. Wake me up, don't let me drown. All the lights are fading now. All my life is fading now. All my life is fading now. Wake me up, don't let me drown. Qu'est-ce qui différencie mes lignes de celles des autres? Du coup, je dirais que je vais croiser les lignes, prendre des bosses ou des tremplins qui vont pas forcément avec un autre et essayer de les lier ensemble et du coup faire au final un passage original. Donc c'est vrai qu'il y en a, ils vont beaucoup se baser sur les figures, ils vont faire que ça aux essais par exemple, sur les compétitions. Et moi, je vais plutôt chercher à trouver une belle ligne et après ajouter mes tricks cette ligne-là. Et par exemple à Nice, je vais d'un bout à l'autre du parc pour au final arriver à un but, de faire un saut un peu différent et que pas beaucoup de personnes peuvent faire quoi. Et là on se retrouve entre tous les pilotes et on se dit tiens, tu passes là? Ouais, je passe là, et toi? Et franchement, même des gens qu'on n'aime pas, on partage. C'est... Je sais pas pourquoi, mais on partage. Et du coup, ouais, ça se fait plus quand il n'y a pas les team managers, quand il n'y a personne. C'est vraiment un truc de rider à rider, quoi. Et je pense que c'est pas que c'est beau à voir, mais ça fait que notre sport est, je pense, cool. On n'a pas forcément une haine contre l'autre pilote. Et bah, pour les lignes, ça partage aussi. Même s'il n'y en a pas forcément des millions et ça se joue à rien, c'est des petits détails en fait. Et ce qui fait qu'on est bon, c'est que je pense qu'on a une... Moi en tout cas, pour ma part, c'est la flemme. Si je peux essayer d'éviter un trou parce qu'il va me fatiguer ou va me taper, je le fais. Et c'est sur toute la piste, ça fait beaucoup en fait, à essayer d'éviter les petits trucs. Là, j'ai plus de grippe, là, ok, tatit. Et ça, on t'apprend, c'est ton mental qui est là à essayer d'éviter le moindre truc en fait. Donc je pense que Nico à l'époque c'était le plus fou pour ça et je l'ai suivi il y a pas longtemps, c'était n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Et petit à petit ça se perd, ça s'est un peu perdu, mais on essaye de garder un peu l'essence de où poser ses roues pour que ça soit le plus propre, le plus rapide et garder le plus de vitesse. Donc quand c'est défoncé, trouver les endroits où c'est le moins défoncé. You out this world, need some space for me, with you, really got tired, fuss and fight no more. Why you tripping, baby, you know you invited, acting like you know what's up but you ain't psychic, told you nothing going down but you ain't like it, told you nothing going down but you excited, so if you want a song, go and get the money, show me the money, get the money, let's go down. Said it's been true. Love you, then he ditched you. Nobody knowing what we into.
happen, baby, you know you ain't like it. Acting like you know what's up, but you ain't psychic. Told you nothing going down, but you ain't like it. I told you nothing going down, are you excited? So if you want a song, go and get the one. Show me the money, get the money, let's go down. T'apprends à faire du vélo, tu vas sur les courses, tu vas à Blosas, tu vas n'importe où. T'as Nico, Fabien, il y a tout le monde et c'est au millimètre. Tout ce qu'ils font, c'est pour une raison, c'est pour la performance, pour rouler vite. Et petit à petit, ça a changé et les réseaux sociaux ont apporté une autre forme de style, d'agressivité. Donc maintenant, quand il y a un virage, il faut le détruire. Et c'est ça qui fait les vidéos, c'est ça qui plaît, c'est impressionnant en fait. Sauf que nous, ce qu'on a appris, c'est d'aller vite, garder la vitesse, justement, pas faire ça. Et du coup, on est un peu en décalage et juste moi, je sais pas forcément faire, donc je râlpais, par exemple. Ça, c'est un air qui change. On veut être impressionnant, on veut être énervé sur le vélo, être loose et c'est entre guillemets, c'est le contraire d'aller vite en fait. La French line, la smoothness est en train de se progressivement partir en fait. Parce que de plus en plus de bike park, de plus en plus de pistes avec des bosses, des beaux relevés, des trucs où tu as envie justement de faire quelque chose en fait. Tu peux pas juste te laisser vivre parce que si tu te fais un peu chier. Donc le combo des deux fait que ils sont agressifs en virage et je sais pas faire. J'ai pas appris. D'est en ouest, du nord au sud, parcourir les plus belles pistes avec les décors les plus somptueux, que ce soit les gorges rouges du Science, les gorges rouges de Daluy, que ce soit à proximité du Mont Mounier
avec une vue à nulle autre pareil, ou sur le massif de l'Othion, ou dans la Vésubie, ou sur les préalpes de Grasse. Partout, il y a un terrain de jeu qui est exceptionnel, et je n'évoque même pas le terrain de jeu de l'Estérel, qui, avec les lacs des écureuils, avec les marmottes, nous offre là aussi un complément qui est directement accessible depuis le littoral. Donc le département des Alpes-Maritimes et le conseil départemental œuvrent dans ce sens, met en œuvre des pistes, balise ces pistes-là en plein accord avec les maires qui acceptent cette responsabilité, de manière à pouvoir assurer en même temps l'entretien et les moyens de secours qui sont nécessaires à l'organisation de ces randonnées. Ça me donne l'occasion de préciser qu'on ne part pas en VTT sans avoir pris tous les renseignements. On ne part pas sur ces itinéraires sans s'être renseigné sur la météo. On ne part pas sur ces pistes au long cours sans avoir le matériel nécessaire à toutes les vicissitudes de la pratique du VTT. Il peut y avoir de la crevaison, il peut y avoir de la chute, il peut y avoir du mauvais temps, tout simplement. Et tout cela, c'est être en prévention, en prévision de la gestion des risques. En tout cas, profitez bien du terrain des Alpes-Maritimes, car il est exceptionnel.